Voilà Johnny Hallyday donc qui arrive. Il va interpréter dans un instant cette chanson signée Jeanne Chéral, Un dimanche de janvier, qui est une chanson qui avait été écrite et composée au lendemain de la grande marche du 11 janvier dernier. Vous voyez, alors c'est nous, France 2, ce sont nos caméras qui réalisent cette cérémonie. Cérémonie qui se veut aussi sobre, il n'y aura pas de prise de parole politique, il n'y aura pas de discours, et qui se veut pudique également, car comme ça avait été le cas en novembre, on ne filme pas les familles. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier pour garder en mémoire nos héros d'encre. Nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Ce dimanche de janvier, oh, que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Dimanche de janvier, Johnny Hallyday accompagné de Yarol Poupeau et Maxime Nucci alias Yodelis. Le cœur de l'armée française. Les deux auteurs qui travaillent pour lui depuis quelques années. Sur notre capitale.